Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo Unboxing Diamond Art Club. Voilà, donc c'est la deuxième toile que j'ai reçue en même temps que la Snow White que vous avez vue juste avant. Voilà, donc c'est la deuxième toile que j'ai achetée au même moment. Donc c'était exactement au 1er janvier. Et ça a été expédié le 23 janvier que j'ai reçu ensuite attendez, j'ai les dates, le 10 février. Voilà. Donc, bon, ça a mis du temps pour cette commande, mais bon, écoutez, c'est pas grave, tout est là, donc je suis super contente. Donc, je vais pas maintenant vous donner plus de détails, on va voir la toile ensemble. Par contre, je vais juste vous donner la taille. C'est une 42 par 59 et c'est une toile qui me plaît depuis le début parce qu'elle est là, je crois, depuis très longtemps, cette toile. Et donc, c'est une toile en diamant carré, voilà. Et ouais, donc cette toile est là depuis très longtemps sur DAC. Et c'est vrai qu'elle mettait du temps à revenir en stock. Et après, quand elle revenait, bah, j'avais d'autres trucs à acheter. Enfin, j'avais d'autres choses qui me plaisaient. Donc au final, je ne l'achetais pas. Et là, j'ai décidé, c'était bon, de l'acheter. Voilà, alors, on va ouvrir ça. J'essaie de vous cacher l'image, mais... Franchement, elles sont super belles, les boîtes DAC. Les boîtes DAC. Voilà. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Donc là, on est sur une toile Ever Moment. Mais comme elle est grande et que je l'ai déjà un peu encollée pour pas que... Parce que ça commençait à popper. Je vais pas trop la bouger, quoi. Donc, on est sur une toile, là, actuellement. Alors, attendez, parce que là, on peut voir des choses. Hop, 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 hop. Voilà, normalement là vous voyez rien du tout. Hop, toolkit. Toolkit très basique, hein. Donc c'est une toile en diamant carré. On a la pince, on a beaucoup de sachets là bizarrement. Alors d'habitude c'est pas autant. Là j'ai l'impression qu'il est vraiment blindé de sachets. Ah ouais, c'est blindé de sachets. Je sais pas si... Mais vraiment vraiment blindé de sachets quoi. Donc la pince, le stylet, la barquette, les peintures, bon ça vous voyez très bien, les multiplaceurs et le truc en mousse là, ok. Bon, je vais pas non plus faire le tour 40 millions de fois dessus, hein. Hop, voilà, je mets de côté puisque je réutilise les boîtes pour les stocker. Alors, j'ai pas envie de l'ouvrir comme du n'importe quoi. Nawak. Hop, c'est bon. Je vais juste récupérer le sticker qui est là. Donc, on a le step by step. Step by step. Oh là là, j'ai du mal dessus. Et on a donc, oh, ça va, l'étiquette est retournée, donc ça c'est cool, mais même sur, on peut avoir le nom de la toile même sur les diamants, donc j'essaie de retirer ça. Alors, waouh, franchement elle est trop trop belle, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et les diamants, voilà, je vais vous cacher juste le nom de la toile, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous, rien que comme ça, vous pouvez peut-être deviner. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Les personnes qui ont cette toile-là, parce que comme je vous dis, c'est là depuis très longtemps sur Diamond Art Club. Donc c'est possible que vous ayez tous cette toile. Dites-moi ça en commentaire. Mais, oh là là, elle est trop, trop belle. Alors, enfin, elle est trop belle en tout cas sur photo. Maintenant, j'ai hâte de la voir en vrai parce que bah, ça fait... Oh, attendez, j'ai un peu bougé du coup. Ça fait très longtemps que je la veux, cette toile. Donc, oh là là, j'ai trop hâte. Alors, c'est une combien déjà? C'est une combien? C'est une 42 par 59. Donc, c'est dans les toiles que je prends maintenant et que je préfère faire. Donc... Oh là là, ah! J'ai à peine vu un bout. Non mais elle est tellement belle. Oh,
que vous êtes prêts? Alors, attendez, on va la... Même pour moi, je regarde pas. Hein. Je regarde pas, je vais juste la mettre à l'envers. Voilà. Je regarde pas. Je l'ai retournée sans regarder. Pour juste la mettre comme ça. Hop. Donc je vais vous monter un peu parce que le temps que je soulève ensuite la toile, enfin que je la retourne. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je ferme les yeux, je la retourne. Non, je la retourne avec vous. Parce que vous allez voir avant moi. Donc. Je la retourne. Allez, c'est parti. Elle est ma... Oh là là, elle est trop belle! Oh mon dieu! Oh punaise, elle est sublime! Oh, oh elle est sublime! Oh les couleurs! Oh là là! Oh, enfin! Je suis trop contente! Mais je suis trop contente quoi! C'est la toile que je voulais depuis tellement longtemps! Oh là là, non mais elle est trop belle. Waouh. Donc c'est, je pense que vous avez reconnu. Hein. Donc c'est Willow de chez Tac. Elle est magnifique. Waouh. Je suis en train de tout regarder un peu là. Elle est trop belle. Alors, c'est pas ce que j'appelle du confetti, mais il y a beaucoup de changements de couleur dans un peu partout. Bon, sauf ici, dans le visage. Mais bon, là aussi, là un peu... Mais c'est, il y a quand même beaucoup de changements de couleur, au final. Là, je vois pas de gros aplats de couleurs, en fait. C'est, il y a toujours d'autres... Bon, par contre, là, c'est vrai que ça va être un peu confetti. Là. Oh là là, elle est magnifique. Je suis trop contente. Je suis mais trop contente, vraiment. Donc je vais vous montrer le petit sticker. Donc voilà, Willow. Donc de Annaline, voilà. Et donc c'est une 42x59 en diamant carré. Je vais reprendre ça maintenant. Regardez-moi cette couleur. Oh là là, elle est sublime. Tellement belle. Alors, j'adore. Oh là là. Regardez-moi ça. Les toiles comme ça, c'est vraiment ce que je préfère. J'adore. Les toiles un peu féeriques, avec beaucoup de couleurs. Ça, j'avais pris, moi, la première toile que j'ai faite, c'était de Dac, c'était la Moon Glow. Et pareil, j'ai adoré un peu ce côté fée. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup. C'est trop beau. Oh, les canons, j'ai tellement envie de la commencer, mais vous savez pas à quel point. Je la trouve trop belle. Voilà pour la miniature, attention. Voilà. Elle est trop belle. Waouh. Ok, alors, bon, alors, on a 40 couleurs, donc pour une 42x59, 40 couleurs, et on a 4 AB, on dirait qu'on a 4 AB, donc il y a un, apparemment il y a une espèce de vert, attendez, je fais comme ça moi, pour tout mettre vers le bas. Et ensuite, on regarde. Ah, ok. Donc là, je vois qu'il y a un violet AB. Donc ça doit être le... Ah, bah, je sais pas, du coup. Le 5 ou le 2. Je sais pas. Il n'y a pas un autre. Hein. En tout cas, là, je vois le vert, déjà. Je vois le vert. Donc, il est là. Là. Là, vous voyez. Ok. Et là, vous avez vu, donc, le violet aussi. Joli à la baie, je ne savais pas c'est lequel celui-là.
Je crois que c'est le 208. Je suis pas sûre. Mais c'est peut-être possible. Normalement, il y a un autre violet ou alors c'est un rose. J'ai envie d'ouvrir, mais je sais que je vais avoir du mal après. On a le bleu, il est là. Ah, mais là, on va pas bien voir. Bon, alors attendez. On va essayer de... Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Bon, on a le bleu qui est là. Voilà. On a du bleu AB. Alors, mon vernis, hein, regardez même pas. Hein. J'ai enlevé, mais rapidement. Hein. Et on a... Ah bah sûrement que c'est seulement 3AB. Hein. Peut-être que c'est que 3AB. Parce que là, j'ai vu donc le... Je sais pas si... Bah non, c'est juste que ça... Bah je sais pas. Je sais pas jusqu'à combien c'est déjà. Ah, attendez, je vais regarder. Hein. On va pas mourir bête. Bah non, bah du coup, je vais aller voir sur la toile directement. Donc, ils disent qu'il y a... Ouais, 3AB. Ok, donc le 205... 208, c'est pas un AB. Et le 155 non plus. Ok, oui, c'est jusqu'à 150. Pff, je suis bête. Ok, donc on a le violet, le vert, le bleu. Ok, c'est bon. Oh là là, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Donc ouais, on a 3 AB dessus. Actuellement, elle est à 48 euros. Je sais plus, moi, je l'ai payé combien. Je vais aller voir. 48 euros. Et elle est en stock. Voilà, donc si vous voulez, elle est en stock. Et moi, je l'ai eu. Bah, moi, je l'ai eu moins cher, mais je sais pas pourquoi il me met pas. Je l'ai eu moins cher, moi. Ça fait combien ça? Je l'ai eu à 36 euros. Ouais. Je l'ai eu à 36 euros. Voilà. Donc elle est encore en stock. Ça c'est super bien. Donc je pense qu'elle doit bien marcher cette toile. Et voilà. Donc on a diamant AB. Donc c'est le 134. Donc le vert. C'est du 1. Donc on en a là. Mais je pense qu'il va y en avoir un peu partout en fait. Du numéro 1. Il y en a dans les cheveux. Donc là en fait le vert clair que vous voyez. Le vert clair est où? Non. Que vous voyez là, c'est du AB. Là aussi, c'est du AB. Donc là, le vert, c'est du AB. Là aussi, le vert clair, c'est du AB. Là aussi, le vert clair, c'est du AB. Il y en a là. Alors, il y en a un peu partout là, le vert. Le vert AB, il y en a un peu partout. Le V, c'est le violet AB. Le V, il y en a ici, dans les ailes. Voilà. Dans les ailes, ici, un tout petit peu dans la libellule, mais il n'y a qu'un point dedans. Et il y en a un tout petit peu dans les cheveux aussi, à ce niveau-là. On en a là aussi. Donc là, c'est quoi? Là, c'est avec, donc, dans les fleurs. Il y en a là. Et donc, j'imagine qu'il y en a aussi beaucoup dans... Voilà, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il y en a aussi beaucoup ici, voilà, dans l'aile. Voilà, bon, finalement, c'est une toile où les AB sont quand même assez imposants en quantité. Donc ensuite, on a le numéro 7 qui est le bleu. Le numéro 7, il y en a dans les ailes aussi encore, là, et j'imagine, ouais, de l'autre côté aussi. Il y en a dans les yeux. Oui, non. Si, il y en a là, il y en a dans les yeux aussi. Il y en a là, dans la bulle de la libellule. Là. Et il y en a dans son haut. Là, dans son haut. Donc ça, c'est son haut. Là aussi, vous voyez, c'est en fait le bleu de son haut. Voilà, il y en a aussi. Bon, alors le bleu, c'est pas ce qu'il y a en quantité, mais il y en a quand même. Donc c'est bien. Voilà, il y en a un peu partout, il y en a un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, là, il y en a un peu en bas, il y en a un peu en haut, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, je suis mais super contente, je suis trop contente, je l'adore cette toile,
est très très belle. Et waouh, c'est un truc de fou. J'adore. Faut vraiment que je commence une toile Diamond Art Club. J'en ai beaucoup. Mais bah, du coup, ça fait mon 19e unboxing. Ah, je sais plus. Je sais plus, faut que je regarde. Mais elle est canon, mais vraiment canon quoi. Et c'est les couleurs, j'adore, j'adore. Je kiffe, il y a tout ce que j'aime quoi. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette toile. Moi, je la trouve mais sublime. Et ouais, je suis trop contente. Voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la toile. Si vous l'avez déjà, j'imagine que oui. Et si vous l'avez déjà faite, j'imagine peut-être que oui aussi. Et est-ce que vous avez aimé la faire? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi, je suis très très contente. J'ai hâte de la faire. Mais bon, c'est une en diamant carré. Et actuellement, je suis sur mon Ever Moment. Donc, je ne peux pas la commencer. Et c'est vrai que je préfère d'abord terminer mes trucs AliExpress. Mais au final, vu que je ne vais pas recommander de DAC, il faudrait peut-être que j'en fasse une. Voilà, on va voir ça, on va voir ça. Donc voilà, donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!